Salut Lucas, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais donner la bienvenue aux nouvelles abonnées et remercier à celles qui sont là depuis le début et qui me soutiennent à chaque fois. Donc voilà. Donc je vous remercie profondément. Et donc c'est des achats que j'ai fait chez Variation Créative. Donc c'est deux commandes différentes, voilà, et que j'ai fait dans la même semaine en fait, deux commandes, et du coup j'ai attendu que les deux ils arrivent pour vous faire le haul. Donc comme vous savez tous, avant chez Variation Créative, on avait à chaque commande un petit carnet super sympa, un petit bloc-notes, hein. Et cette année, surprise, nous avons une petite carte, juste une petite carte comme ça, mais nous avons un petit cadeau à chaque fois. Donc j'ai eu pour la première commande ces petits dice super mignons. Donc je verrai ce que je peux faire avec. Et sur la deuxième commande, le mot Hello. Voilà, super sympa aussi. Donc voilà, j'ai commandé du papier des 6 collections différentes. Donc voilà. Mais tout d'abord, je commence par ceci. C'est deux petits tampons. Voilà, meilleurs vœux et love, parce que j'ai pas fait cette année des cartes des vœux. Mais voilà, il me reste quelque chose. Peut-être j'aurai le temps de faire quelques-unes. Donc j'ai acheté ça. Et celui-ci, c'était soldé, hein. Donc je les ai pris. C'est tout petit, mais c'est sympa. Voilà. Après, j'ai pris ces fleurs-là de chez Prima. C'est la première fois que j'ai acheté des fleurs comme ça. Et donc j'ai pris celles-là. Ils sont vraiment à tomber. Elles sont magnifiques, ces fleurs Prima. Elles sont juste magnifique. Bon, voilà, c'est pas bon, c'est vraiment le top. Donc pour après, je pense que je vais continuer à acheter des fleurs comme ça. Donc là, nous attaquons du coup avec les papiers. Donc tout d'abord, j'ai pris 6 papiers, je crois, 6 de la collection Good Vibe des Studio Forti. En fait, j'ai acheté ces papiers en pensant que c'était de la collection Good Vibe de Craft Paper. Mais je me suis aperçue après que ce n'était pas le cas. Mais c'est des dessins assez jolis. Donc voilà, j'aime bien. Donc voilà, comme ceci. Celle-ci. En plus, c'est des papiers qui ont été imprimés en France. Donc, ces collections-là, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas cette marque, mais c'est des papiers assez jolis. En tout cas, j'adore ces tons aquarelles. Ils sont magnifiques. Celui-ci, il est trop beau. Voilà. Et celui-ci. Donc c'est une collection, comme je vous ai dit, c'est une marque que je ne connais pas, mais que je vais aller regarder plus en détail, parce que ça a l'air très bien. Donc ensuite, j'ai pris quelques papiers de la collection Sweet Baby des Eco Park. Donc d'abord, j'ai pris les éphéméras comme ceci. Et ensuite, j'ai pris des papiers. J'ai pris d'abord cette planche de stickers. C'est une collection super jolie. Et comme je dois faire encore un album bébé et encore plusieurs autres, hein, parce que pour les deux petites filles qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps, je compte faire des albums assez régulièrement. Donc voilà.
Ensuite, nous avons ces papiers-ci avec les franges. Voilà. Après, nous avons celui-ci. Celui-ci avec les biberons et les poussettes derrière. Voilà. Celui-ci avec les cigognes. Juste avec des petits rayures comme ça. Alors cette couleur là, il est juste trop beau. C'est une espèce de vert, presque vert mint. Il est trop beau. Les petits pieds, voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà les petits rayures. Ici même moi c'est l'hippopotame. Voilà, c'est marron qui est très beau. Après, nous avons celui-ci avec des petites étoiles sur un fond rose. Et après, celui-ci très fleuri. Nous avons celui-ci aussi. Trop beau. Celui-ci. Et pour finir, celui-ci avec les cartes. Voilà, donc ça, c'était la collection Sweet Baby de chez Eco Park. Voilà, ensuite, j'ai pris quelques papiers aussi de la collection Simple and Sweet de chez Pink Fresh Studio. C'est une collection que j'avais vu, que j'ai découvert par hasard, parce que j'ai vu juste le papier. Je me suis dit que c'était très joli et en effet ils sont très très beaux avec des couleurs très très douces et j'adorais en fait. C'est bien, c'est très frais. Voilà, donc j'ai pris les die cut comme ceci. Voilà, j'ai pris ces planches des stickers un peu puffy comme ça, doré. Alors, le seul bémol de ça, de ces planches là, c'est que je trouve que le doré, il est très très doré. Ça fait mal aux yeux en fait. Mais bon, comme les papiers sont assez frais, je pense que ça ira très bien avec. Donc, ensuite les papiers. Donc, regarde comment c'est joli. Je les trouve très beau ces papiers, vraiment. Celui-ci avec les rondelles de citron. En plus, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de citron dessus, j'ai dit, ah, super. Comme j'habite dans la ville des citrons. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les citrons de Menton. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, celle-ci j'adore. Elle est trop belle. Ces feuilles. Voilà. Celle-ci. Magnifique. Ensuite, celui-ci avec les phrases, tout ça. C'est trop beau. Celle-ci qui est très belle aussi. Donc les couleurs ils sont vraiment trop beaux. Moi j'adore. Et enfin celle-ci. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, parce qu'il n'y avait rien comme ça, j'ai pris des papiers pour la Saint-Valentin. Donc j'ai pris de chez Artemio ces petites planches de puffy stickers un peu 3D love. Donc voilà, des stickers roses. Alors c'est très rose hein, mais bon, ça je vais pouvoir le caler quelque part. Voilà.
Ensuite, j'ai pris des papiers et des stickers de la collection Kissing Boot, je crois que ça se dit comme ça, de chez Simple Stories. Donc d'abord, j'ai pris les die cuts. Voilà. Je trouve très joli. Ensuite, j'ai pris la planche des puff stickers. Comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette planche-là, je ne sais pas, il y a un petit souci ici, des chipboards. Donc, il y a quelque chose qui s'est barré ici. Donc, c'est une espèce de tronc d'arbre. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai pris quelques papiers aussi. Celle-ci avec des tickets noirs derrière. Celle-ci, donc c'est très Saint-Valentin, hein. Okay. Voilà, mais j'espère que je vais pouvoir faire quelque chose de assez joli. Celui-ci, j'adore, il est trop beau avec ses grandes fleurs comme ça, très joli. Ensuite, nous avons celle-ci avec les cartes pour le journaling, pour ce qu'on veut, hein. Avec des petits rayures comme ça derrière. Ensuite, celle-ci avec des cartes en type carré. Voilà. Et avec cet imprimé derrière. Et pour finir, cette planche de stickers est très jolie aussi. Voilà, donc c'était la collection Kissing Boot de chez Simple Stories. Voilà. Ensuite, parce qu'on n'a pas fini, désolé, hein. J'ai pris quelques papiers, j'ai pris le petit bloc 6 par 8 de chez Pimpestly, la collection Overlane. Le bloc et les papiers, c'est des papiers avec des accents cuivrés. Okay, c'est trop beau. En fait, à la base, je voulais pas acheter le bloc, mais j'avais vu cette collection passer un petit peu partout et je me suis acheté un kit que je vous ai pas montré en vidéo en fait. Et il y avait 400 papiers et je suis tombée amoureuse de ces collections. Donc du coup j'ai profité les soldes pour acheter le bloc. Donc voilà. J'espère que vous arrivez à voir les accents. Je trouve très joli ces papiers. Alors, celle-ci, il est trop. Ces papiers-là, il est trop beau. C'est une espèce de journal, des papiers journal, tout cuivré, trop beau.
J'en étais où? Là, voilà. Celui-ci aussi, il est trop beau. Sur le fond des verres émeraudes. Il est trop beau. Voilà, en plus avec ça j'ai pris cette planche de stickers. Il y a trois planches à l'intérieur. Voilà. Voilà, et pour finir avec cette collection j'ai pris le papier vellum de cette collection aussi. C'est le fond, il est rose, un peu bariolé comme ça, mais il est trop beau. Voilà. Et pour finir, j'ai pris quelques papiers de la collection Flourish de Maggie Holm pour Craft Paper et ce bloc de stickers. Donc, je me suis dit, c'est cool qu'ils font des blocs de stickers comme ça parce qu'il y a des stickers de toutes les précédentes collections de Maggie Holm. Donc, c'est très sympa. Donc, voilà. Je vais vous montrer les stickers. Donc, les stickers, ils sont tous définitions différentes. Par exemple, celui-ci, c'est une finition un peu transparente, plastifiée transparente. Celles-ci sont mates. Là, nous avons du foil. Là aussi. Là aussi, nous avons du foil. Là, ils sont mates. Là, c'est un peu plastifié aussi. Là, c'est tout doré. Là, c'est plastifié aussi. Là, c'est mat. Voilà. Là, c'est des accents dorés. Là, c'est des mots avec cette finition un peu transparent plastifié. Celle-ci. Donc c'est très sympa. Donc il y en a 30 feuilles. Donc c'est vraiment super sympa. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la collection Flourish ces puffy stickers. Ils sont très grands. Je trouve qu'ils sont très sympas. Donc presque tout ce que j'ai acheté en solde, c'était presque tout à moins 50%. Donc en plus la première commande que j'avais faite, je l'avais fait en pré-solde, donc c'était des soldes de ouf. Et puis la deuxième commande, je l'avais fait pendant les soldes, pendant la première semaine des soldes. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris les stickers. Les stickers alphabet de la collection Flourish. Voilà. Et quelques papiers. Parce que j'ai pas pris beaucoup de papier parce que j'avais déjà acheté un bloc 6x8 de cette collection là. Donc voilà. Les maisons, des rayures. C'est magnifique, bon, et trop beau, mais que malheureusement je vais couper. Puis j'ai pris celle-ci, que j'ai pris en double, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris en double. Ensuite celle-ci. Voilà.
celle-ci. Celle-ci avec les cartes. Et pour finir, j'ai pris le vellum de la collection. C'est avec des accents un peu rose gold. Voilà. Donc voilà, ça y est, on a fini. On a fini avec ce haul de chez Variation Créative. Donc après, je vais vous faire encore un haul. Mais un méga haul aussi, parce que j'ai commandé chez Craftelier et Kimidori, et du coup c'est pas encore arrivé, et du coup je vous ferai un haul tout ensemble. Voilà, assez de blablater parce que je pense que la vidéo elle est assez longue, ça fait déjà 20 minutes. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Bon scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!